Je ne t'ai pas reconnu, Didier Deschamps surprit le nouveau style vestimentaire de Kylian Mbappé. Ce lundi 20 mars, l'intégralité des joueurs de l'équipe de France s'est réunie à Clairefontaine afin de débuter les entraînements pour les qualifications de 2024 Euro. Une joie pour Didier Deschamps, qui n'a pas caché sa surprise en voyant Kylian Mbappé. C'était une annonce particulièrement attendue par les fans de Ballon Rond. Le 16 mars dernier. C'est au cours d'une nouvelle conférence de presse que Didier Deschamps a dévoilé l'identité des joueurs sélectionnés pour représenter l'équipe de France au cours des qualifications pour le 2024 Euro. Sans grande surprise, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Marcus Thuram font bien partie de la troupe. Ces derniers sont d'ailleurs rejoints par trois nouvelles têtes, Wesley Fofana, Brice Samba et Kefran Thuram. Chacune des stars a fait son entrée ce lundi 20 mars à Clairefontaine, le siège de l'équipe de France. Elles se sont ainsi prêtées au jeu des photographes, en prenant la pose à la sortie de leur véhicule. La vidéo de leur arrivée a d'ailleurs été partagée sur le compte Twitter des Bleus. Lorsque Kylian Mbappé a franchi les portes de Clairefontaine, son nouveau style vestimentaire n'a pas manqué de surprendre Didier Deschamps. Au P1, je te reconnaissais pas. Tu passes inaperçu. Tu essaies de te glisser dans la masse. A déclaré le sélectionneur à l'attaquant vêtu d'un col roulé couvert d'un trench coat de couleur bleu marine et de grosses lunettes de soleil. Quelques minutes plus tard, on peut voir apparaître Antoine Griezmann qui, comme d'habitude, ne manque pas d'originalité au niveau de sa coiffure. Exit la chevelure blonde. L'époux d'Erika Chopperena a atteint ses cheveux en rose fluo. Un changement physique qu'il a expliqué au mois de janvier dernier dans le journal Marca. En Espagne, ça se jouait entre bleu et rose. J'ai trois filles à la maison, sa femme Erika et leurs deux filles. Note de la rédaction, et nous ne sommes que deux garçons, son fils et lui, note de la rédaction, nous avons voté le rose à gagner. Un look inoubliable.